Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et une vidéo pas des moindres, ça va être une vidéo food. En ce moment on est pas mal dans l'alimentation, mais j'ai eu une idée de concept de folie, enfin de folie je sais pas, mais bref, une idée de concept que j'ai kiffé. Je sais pas si ça a déjà été fait, mais j'étais en train de traîner sur mes réels Insta. Et il faut savoir que le contenu que moi j'ai dans mes réels, c'est beaucoup de sport, de musculation, de voyage et de nourriture. Et je me suis dit pourquoi pas me laisser guider par Instagram pour ce que je vais manger aujourd'hui dans la journée. Je vais défiler les réels et voir le premier petit déjeuner qui apparaîtra. Et ce sera mon petit déjeuner pour demain matin. On va regarder un petit peu, je vais enregistrer l'écran. Mais j'ai plus de stockage. Alors là c'est du sport. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cookie, moi t'es pas mangé des cookies. Ah, Kit Kat Chile de What Meal. Ah, en plus, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. On va regarder les ingrédients. Des flocons d'avoine. De la protéine en poudre. Ça, je sais pas trop. J'ai pas tout compris. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Donc écoutez, on va faire cette recette-là. Et ce qui est pratique, c'est qu'elle se fait la veille. Donc là, je peux directement aller la préparer. Je vais la traduire pour être sûre d'avoir les bons ingrédients. Et on va les préparer ça tout de suite. On est en train d'essayer de traduire la photo directement. Ah, bah voilà. On va pouvoir traduire. Parce que j'ai pas envie de faire de la merde. Je suis un peu bête, j'ai pas vu qu'il y avait déjà un bouton voir la traduction. Un peu neuneux la meuf. On se retrouve en direct de ma cuisine. Normalement, j'ai tous les ingrédients et j'ai de la chance parce que mon frigo, vraiment, il est vide. Il n'y a plus rien. À part du yaourt, il n'y a plus rien. Donc je vais pouvoir préparer tout ça et c'est trop cool parce que moi, mon petit déj, il sera déjà prêt pour demain. Et ça m'a l'air plutôt appétissant. D'ailleurs, je sais pas si vous aussi, vous avez des recettes dans vos réels. Je sais pas quel genre de contenu vous avez dans vos réels Insta. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, on a vraiment tous des contenus différents selon ce qu'on consomme. Moi, c'est vraiment... j'ai pas mal de recettes et je trouve ça génial. J'en ai mis beaucoup trop. Je sais pas regarder. Normalement, faut mettre tous les ingrédients et après, on va mixer. Donc, flocons d'avoine. Ensuite, de la protéine en poudre. Du Fluff Drop de chez MyProt. Une goutte. Bon, je vais pas en mettre un petit peu. Hop. Une demi-cuillère à soupe de graines de chia. Ensuite, du lait. Franchement, c'est hyper rapide et hyper pratique à faire. Donc... Et là, vous n'avez pas d'excuses au moins pour pas prendre votre petit déj le matin. Il faut beaucoup quand même. Hop. Cacao, il en faut combien? On va en mettre un peu plus, allez, on va s'applaudir. Hop. De goûter juste nature, mais c'est hyper liquide. Nature déjà c'est très très bon. Donc ensuite je vais mettre tout ça dans mon bol, mais c'est hyper liquide hein. Et mettre au micro-ondes. Il faut mettre 2 × 45. Okay. Bon, j'ai sorti du micro-ondes mais c'est très liquide. Donc je vais laisser refroidir, je mettrai au frigo et on verra demain matin. Normalement je suis censée mettre du yaourt aussi, mais là je sais pas si ça va tenir. Donc on verra demain matin. A few moments later. Matin, je pense que ça se voit à mon visage et surtout à ma voix. La voix du matin, c'est horrible. On va goûter ce petit déjeuner que j'ai préparé hier soir. Je suis repassée dans la nuit, faire la petite couche de fromage blanc et tout parce que je dormais pas. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant la faire. Et donc, on va goûter ce petit déj. J'ai trop hâte parce que ça a l'air trop bon. C'est bien chocolaté. Le chocolat, c'est ma vie. Moi, le matin, je suis très sucrée. Regardez-moi ça, ça a l'air trop bon. Bon, on va goûter ce petit déjeuner. Comme vous avez pu voir, la texture est folle. On dirait vraiment genre une sorte de mousse au chocolat, un peu brownie. Je vais prendre un morceau où il y a du Kit Kat, du fromage blanc, un peu de tout. Bon, du coup, c'est plus liquide au milieu, vu que je pense que c'était un peu trop liquide ma préparation. Et sur les tours, c'est bien cuit. C'est vraiment super bon. En plus, c'est bien frais.
Pour l'été, c'est hyper frais. Par contre, après, ça peut être lourd, vous pouvez réduire les quantités. Et c'est hyper frais. C'est trop bon. Et genre, c'est healthy, alors qu'on dirait vraiment une pure folie. On dirait de la glace, en même temps, on dirait de la crème. C'est trop bon. C'est trop bon. Alors. Je vais manger ce petit déjeuner. Et puis, on se retrouvera ce midi. Les gars, je suis prête à aller à la salle, j'attendais juste que ma caméra charge pour filmer cette partie, ça fait genre 10 minutes que je suis comme ça. Pour pouvoir filmer cette partie de la vidéo et savoir qu'est-ce que je vais manger ce midi après la salle, parce qu'il est quand même déjà midi et demi, donc je vais manger vers 14-15h, c'est n'importe quoi. On va regarder un petit peu sur Insta qu'est-ce que mes réels me proposent. J'ai une patate, je viens de prendre mon pré-workout en attendant, et du coup, je suis une... boule d'énergie, on va se calmer. Alors. Ah, ça va être des croquettes, hein. Il n'y a pas de nourriture? Ah. Alors ça, c'est sucré. Faut que je tombe moins sur un truc salé quand même. Alors, cooking pasta with Uberti. Est-ce qu'il y a une recette? Il n'y a pas de recette, c'est juste... ok. Purée, mais j'ai que du sucré. On voit vraiment, je suis une addict au sucre. Des crêpes. Alors moi, il n'y a que du sucré. Purée, mais j'ai rien du tout. Ah, apple crumble. Mais non, stop, stop, le sucré. Alors, ah, une salade. Patate douce, oignon rouge, concombre, vinaigrette et feta. Bah écoutez, surtester ça. Je vais juste remplacer le concombre par de la courgette. Parce que je ne l'ai déjà pas, mais je pense qu'on va faire ça. Hein. Hop, enregistrer. Je vais regarder, on ne sait jamais si on voit une autre recette. Ah, là c'est encore une salade, c'est quoi? Tomate, concombre, pois chiche, feta, et je crois que c'est du riz. Bah écoutez, on va faire un petit mix de ces deux salades, elles étaient à suivre, c'était un signe. Et donc, c'est parti, j'irai faire les courses ce midi, parce que j'ai pas ce qu'il faut. Heureux, on se retrouve, il est 14h30, je pense que c'est bel et bien l'heure de manger. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, Instagram a choisi pour moi ce midi une salade. Et je pense que le réseau social a compris qu'il faisait très chaud en ce moment. Les 30 degrés là, ils sont bien présents. On va partir sur une petite salade qui mélange les deux réels. Donc avec du riz, pois chiche, feta et des crudités et de la patate douce. Donc on va commencer par cuire le riz et la patate douce parce que c'est ce qui va être le plus long. Et après on préparera les petits ingrédients et la petite vinaigrette. Vraiment, par contre, je suis désolée de vous le dire, ceux qui sont pas d'accord avec moi, je m'en fiche. La feta et le fromage de chèvre, ce sont les meilleurs fromages. Et le combo chèvre-miel... D'ailleurs, je sais pas si vous, durant l'été, vous avez plus tendance à moins manger ou plus manger avec les chaleurs. Je sais qu'il y a beaucoup de monde... Putain, j'ai dû la couper. Qui mangent moins, en fait, pendant l'été, parce qu'avec les chaleurs, ça leur donne moins faim. Et moi, c'est l'inverse. Je mange moins en hiver et plus en été. Je sais pas, peut-être que en hiver je suis plus stressée, déprimée, du coup je mange moins. Mais l'été, genre je sais pas, j'ai trop envie de manger plein de cochonneries, de me faire plaisir, c'est vacances et tout. Cette année je sais pas, je pars pas en vacances pour le moment, donc j'aurais peut-être pas ce mood. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous partez en vacances cet été, j'aimerais trop savoir parce que j'aimerais bien partir, mais j'ai aucune idée de la destination. Là, normalement, mes petites patates douces, elles sont prêtes. On va regarder ça. Ça donne trop envie. Et maintenant, on va passer à la constitution, du coup, de la salade. Un peu de riz. Ensuite, un peu de mâche. Hop, la mâche. Tomates cerises et les courgettes. Les pois chiches. La feta que j'ai émiettée. De l'échalote et du basilic. Moi je vous conseille en surgelé, je trouve ça trop pratique. J'en ai toujours avec moi. Notre patate douce. Et après on peut rajouter aussi quelques graines pour la gourmandise.
Et voilà. Non mais regardez-moi cette salade, comment elle est colorée. Elle a l'air super bonne. On va goûter tout ça. Ma petite salade est prête, ou plutôt ma grande salade, évidemment c'est pour plusieurs jours. Étant donné qu'il est plus de 15h et que je suis à la bourre, je vais manger à même le plat. De toute façon, il n'y a que moi qui vais en manger, donc hop, on va bien remélanger. Regardez-moi, ça a l'air trop bon. On va prendre un peu de tout, patate douce, pois chiche feta, du riz et une tomate. Viens là toi, arrête de te cacher. La vinaigrette, elle est hyper bonne. Et tous les ingrédients, ils vont tellement bien ensemble. Vraiment, feta, patate douce, c'est un combo, genre, moi, je peux mourir pour. Donc écoutez, je vais aller manger ça. Je vais pas filmer tout le long parce que j'aimerais garder de la batterie pour ce soir. J'ai vraiment des problèmes de batterie, il faut que j'en achète une deuxième. Et on se retrouvera ce soir, du coup, pour manger. On se retrouve pour le repas du soir, il me semble. Il est 19h30, je vais déjà commencer à regarder parce que vu le temps qu'il fait, j'ai peur qu'il fasse nuit rapidement et qu'on ne me voit plus. Donc on va regarder ce que Insta me propose. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Insta, je vous le mets juste ici. Je suis hyper active, que ce soit en story, que ce soit en post. Et je vous publie plein de recettes et de contenu muscu, sport et tout. Donc ça va, je te dérange pas? Mon chien souffle quand je parle. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre et c'est parti, on va regarder les réels. Oh, je viens de tomber sur un truc. Ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est des sortes de petits Big Mac dans des tacos. Je vais tester ça, je pense. Je vais me dépêcher parce qu'il pleut de fou d'aller acheter ce qu'il faut. Et on va faire ça. Ça a l'air grave bon. Let's go. J'ai été me doucher entre temps avant de manger. On va pas juger ma coupe, du coup on va être 100% naturel avec cette petite serviette. On va du coup préparer ces petits tacos, mais... je pensais avoir plus de steak haché que ça, mais en fait j'ai que ça, et là, il a trop décongelé, donc il est déjà cuit. On va faire un seul petit tacos, et comme ça on verra déjà si c'est bon, et comme ça j'en ferai une autre fois si c'est bon, et je vais faire un autre petit plat à côté en plus. J'ai plein de restes à finir avant de partir demain, parce que je pars pour Dublin. Étant donné que ça m'a l'air assez rapide à préparer, on va commencer à préparer la sauce Big Mac, donc il faut de la mayo, il n'y a pas les quantités, donc on va tester. Oula, hop. De la moutarde, je vais pas mettre beaucoup ça parce que je crains le pire. On va mettre vraiment un tout petit peu. Vinaigre blanc, moi j'ai un vinaigre à l'échalote, je vais mettre ça. A chaque fois ça coule trop vite et j'en mets beaucoup trop. Ail en poudre, mais ça je vais pas en mettre parce que je ne le digère pas l'ail. Donc on va mettre juste l'oignon en poudre, je vais mettre les deux. Hop. Alors je vais goûter, mais en fait je sais pas de base quel goût ça a, je ne mange pas McDo. Mais en tout cas la sauce est très bonne. Je suis en train de vérifier les étapes suivantes. Il faut que je mette mon bœuf haché sur ma mini tortilla, que je mette à cuire, que j'ajoute le cheddar. Et après cornichons, salade, sauce et oignon. Mais je vais pas mettre d'oignon, je vais mettre de l'échalote à la place. Et après c'est déjà prêt, c'est hyper rapide franchement. Et ça a l'air incroyablement bon. Petite huile en spray. Petite tortilla là, et elle écrase la viande comme ça. T'as cuit direct. Et là du coup je crois que je peux retourner et mettre ma tranche de cheddar. Maintenant que j'ai mon petit wrap, je viens mettre ma salade, calotte, cornichons. J'ai pas les gros cornichons comme ils ont. Et la fameuse sauce. Ça m'a plutôt pas mal, je vous cache pas. Oh my god. Regardez-moi ce tacos slash Big Mac. Regardez-moi, ça a l'air incroyable. Goûtez ça avant de rejoindre tout le monde. Je fous partout. Sans abuser, c'est vraiment trop bon. Et la sauce est incroyable. Elle est trop trop bonne. Je sais pas quelle sauce ça a de base, la sauce Big Mac. Mais là, c'est une tuerie. J'ai pas de nom. Je vais aller manger ça avec mon petit poulet en plus et mon petit riz. Et là, pépite. J'en ai partout. Pour le coup, je pense que c'est vraiment la recette que j'ai préférée dans la journée là. C'est vraiment une recette que je vais reproduire tout le temps.
Elle est hyper bonne, c'est prend 5 minutes, je vous recommande grave. C'est grave healthy et tout, si vous avez envie d'un petit tacos ou un petit Big Mac et tout. Oh my god. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai découvert plein de superbes recettes. Croyez-moi que les tacos du soir, je vais en refaire. Et le petit déj était impeccable. Donc franchement, je pense que je vais en faire cet été parce que c'est bien bien frais. Même pour le goûter et tout, c'est trop bien. N'hésitez pas à me proposer des petits concepts de vidéos comme ça en commentaire. Ce sera avec plaisir que je les ferai. Et à me rejoindre sur les réseaux sociaux où je suis très active. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!